Très content et soulagé surtout, parce que ça fait un moment que justement ça traîne un petit peu et qu'on a tous envie que ça se fasse. Donc voilà, maintenant c'est fait, ravi et très hâte de retrouver mes partenaires demain. On ne peut jamais savoir réellement ce qui va se passer dans une carrière, mais voilà, ça fait partie des clubs qui sont dans mon cœur, avec lesquels j'ai beaucoup évolué et grandi, que ce soit en tant que joueur. Je pense que c'est aussi un symbole, parce que voilà, j'ai passé vraiment de belles années ici et à la finalité on se retrouve, et je pense que c'est aussi une part de destin. Et voilà, je suis vraiment ravi, parce que voilà, la volonté des deux parties était à fond, et je suis très 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 fier d'être de retour ici. Exceptionnel. J'ai vécu 2 ans, que ce soit sur le plan sportif et humain, dans le club, vraiment à haute intensité au niveau émotionnel, et au final pas grand chose a changé depuis que je suis parti, donc c'est encore plus plaisant de voir qu'il y a aussi énormément de stabilité dans ce club. Ouais, il y a des anciens, il y a TJ, il y a Pedro, Dim, tout le staff que je connaissais aussi, qui était avant avec la réserve, et il y a encore même tous les kinés, Olive, etc. Donc voilà, je viens pas en milieu inconnu, c'est aussi ça qui est bien, parce que pour l'adaptation ça peut me permettre d'aller plus vite, et puis ça va aller très vite, parce qu'il y a un match dimanche, donc voilà, tout de suite concerné. Bien sûr, mais après c'est aussi les aléas d'un club. Je pense que le classement aujourd'hui ne reflète pas vraiment le niveau de l'équipe. Je me suis beaucoup posé pour regarder les derniers matchs et voir aussi un petit peu ce qui allait et ce qui allait un petit peu moins. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, bien évidemment, mais il y a quand même une base solide avec des joueurs de qualité. Et je pense qu'il y a le groupe pour remonter vraiment, vraiment là-bas. Bien sûr, c'est une année totalement différente des autres. Il y a le 4 décembre, donc l'objectif, c'est le maintien. Bien évidemment, on a tous un côté ambitieux, donc si on peut aller bien plus que juste le maintien, on va essayer de faire le maximum. Mais la priorité là, c'est vraiment de reprendre des points le plus rapidement possible, pour avoir un petit peu cette zone de confort et justement mettre les moyens de nos ambitions pour aller le plus haut possible. Ouais, je lâche pas, j'ai hésité, est-ce que je change? Je change pas, mais ouais, tout s'est bien passé avec ce numéro ici, et voilà, c'est peut-être ma petite marque de fabrique à moi. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver en tout cas à la Mosson pour un très gros match, bien évidemment. Et voilà, je sais que pour l'instant la saison n'est pas à hauteur de leurs intentes. En tout cas, on va tout mettre en ordre pour essayer de renouer avec nos supporters et faire en sorte qu'ils nous soutiennent, parce que là on va vraiment avoir besoin d'eux pour aller chercher ce maintien.